Salut à toi qui regarde cette vidéo. N'oublie pas de cliquer sur s'abonner et activer la petite clochette de notification pour ne rien louper. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur My Parallel Prod. Donc on a tout installé, les caméras, vous voyez ici un plan fixe. On a ici un micro derrière. On va vous montrer et activer au fur et à mesure. Ça va, Phil? C'est Space ici. Hein. T'as entendu? Il va s'arrêter au bout de 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Oh merde. Ok, bon, c'est pas normal. Sérieux? Donc on est parti d'un gauche à droite, oui. Une balle. Oh. Ok, donc désolé, on a eu un petit problème technique, il est possible que je n'ai plus de lumière. Ça peut couper à tout moment alors. Ouais. C'est une déchetterie quoi. C'est le nounours. Oh, au moment où on arrive. D'accord. Alors, j'ai ramené une petite boîte, on va essayer de faire parler un peu le. Qu'est-ce qu'il a? C'est quoi ça? C'est personne. C'est le malmetteur. Il ne voit plus que les deux antennes la toucher. Ouais. D'accord, donc vous êtes bien avec nous. Merci de nous. Vous voyez, si vous les activez, en plus. Le nounours, c'est assez dur à activer quand même. Hein. Faut vraiment être très près. Donc là, vous nous avez bien fait comprendre que vous étiez bien là. Avec nous. Est-ce que vous pourriez retoucher la petite peluche, s'il vous plaît? On a bien compris que vous étiez près du piano. Vous voyez, il faut avoir peur de nous. Est-ce que vous pourriez le réactiver, s'il vous plaît? Est-ce que nous sommes la bienvenue ici? Sinon, vous pouvez activer un appareil.
fichier appareil que j'ai dans la main. Allez-y, n'hésitez pas. Vous voyez, je vous remontre. Vous pouvez toucher ici. C'est bizarre que ça l'a fait au moment où on est rentré, tu vois. Ouais. Pile poil pour dire, hé, je suis là. Si vous désirez nous donner un message. Ouais, c'est quoi? Derrière moi. T'as entendu là? Ouais. Il y a un truc qui a glissé. Ouais, c'est quoi? Derrière moi. T'as entendu là? Ouais. Il y a un truc qui a glissé. Alors, est-ce que vous pourriez refaire un bruit? Désolé, j'étais un petit peu surpris. Est-ce que nous sommes les bienvenus ce soir? Si nous ne sommes pas les bienvenus, vous pouvez faire un bruit. J'arrive pas à définir d'où ça vient. Est-ce que vous êtes la personne sur le tableau? Au mur? Si oui, vous pouvez toucher un de nos appareils. Alors j'ai trouvé une belle petite boîte en bois en haut. Alors, il n'y a rien dedans. Est-ce que ça vous appartenait? Faites-nous un signe, vous voyez, vous avez touché la peluche, on l'a vu. Tout de suite. Essayez de refaire la même chose. Si vous êtes la personne sur la photo, sur la table. Bien joli. Oui. Très joli. Peut-être qu'elle jouait du piano aussi. C'était bizarre, hein. C'était bizarre. T'as touché une touche du piano, faire un son. Ça serait pas mal. Ça serait fort. Vous auriez la possibilité d'appuyer sur une touche du piano? Je bloque un peu la lumière. Désolé. Je vais essayer de me rapprocher un peu plus. Vous pourriez appuyer sur une touche du piano, s'il vous plaît, pour nous montrer que vous saviez jouer. En fait, je dis ça, mais s'il y a une touche qui sonne, je dis ça, mais s'il y a une touche qui sonne, je sursaute.
Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce château que vous voudriez nous montrer? Ah, j'avais pas vu cette photo qui a pris l'eau. On voit un peu à travers. C'est une photo, mais elle est complètement passée. Derrière une vieille dame. Ok. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher du vélo? Le petit vélo qui est tout près de moi. Approchez-vous, n'ayez pas peur. Qu'est-ce que tu en penses, Phil? C'est très calme, mais c'est la première fois que la peluche s'allume en enquête. Toute première fois. Baptême. Est-ce que vous désirez parler avec la table de Ouija? On pourrait discuter comme ça, ensemble. Vous pourriez utiliser notre énergie pour écrire des mots, nous montrer des mots et des chiffres. Si oui, faites un grand bruit dans cette pièce, s'il vous plaît. C'est vrai? Ok, donc on va essayer de se séparer. Je vais rester ici, seul, pendant que Phil monte là-haut. Au besoin, j'ai récupéré sa lumière parce que la mienne, elle va lâcher. Dans très très peu de temps. Alors, est-ce que vous êtes moins dérangé si je suis seul avec vous? Est-ce que vous m'entendez? On veut pas de mal, hein. Vous pourriez me confirmer que vous êtes bien avec moi dans la pièce? Sont très confortables ces sièges-là. C'est ma lumière qui vient de s'éteindre, tu vois, j'ai envie de changer la lumière. Elle vient de s'éteindre, donc je pressentais qu'elle allait se couper. Ok. Mais si tu veux leur faire un tour, il n'y a pas de problème, quoi. Après, là-haut, tu sais. Ah oui, je sais. Oh, ma lampe, elle est vide de chez vide. Hein?
Non, pas les vides de chez vide. La radio, elle dit rien. Comme vous pouvez voir, j'éclaire beaucoup plus fort là. Du coup, faites-nous un signe, s'il vous plaît. Ouais, je te sais. En haut, je sais pas. Ouais. Non. Il n'y a rien de spécial. Non, moi, je trouve que c'est plus cette pièce, quoi. Après, est-ce que c'est cette pièce parce qu'il y a les fauteuils, parce qu'il y a le piano, parce qu'il y a tout ça? Qu'on se sent plus à l'aise, enfin, plus à même d'avoir une communication, quoi. Je vous ai pas montré mon appareil, comment il fonctionnait. Je vous ai tout montré, sauf ça. On l'a juste allumé. Je vous remontre. Vous voyez, quand vous... Je relance. Quand vous passez à côté, des deux côtés, il y a des lumières et un son qui est émis. Oui. Au tout début, oui. Oui. Est-ce que vous pourriez en faire autant? Rien. La radio, il n'y a 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 rien. J'ai une deuxième radio. On va essayer avec celle-ci. Je viens de sentir le... Non! Je viens de sentir en dessous, comme si quelqu'un venait se mettre assis à côté de moi. Peut-être que c'est vieux. Peut-être que c'est vieux, c'est pour ça. Bah la banquette là. J'ai senti comme si, tu sais, on venait à côté et que mon ressort, il se détendait. J'ai pas de preuve après pour ça, pour... Ça fait bizarre. Est-ce que c'est vous que j'ai senti? Ouais. C'est vous qui étiez à côté de moi? Vous étiez où? Bonjour en tout cas. Bonjour. Vous avez l'air jeune. Ah, j'ai pas compris, il faudrait parler un petit peu plus fort. Ou alors vous rapprocher un peu plus. Est-ce que vous êtes bloqué ici? Oui ou non? Vous pouvez répéter? Oui?
Vous êtes bloqué depuis combien de temps? Vous pourriez répéter? Vous êtes bloqué à combien ici? Combien de personnes? Seul? Seul? Apparemment. Est-ce que vous êtes bien ici? Oui? Vous vous sentez bien? Vous êtes heureux? Pas trop. Non? Pourquoi vous n'êtes pas heureux? Est-ce que vous pourriez vous rapprocher du piano ou de la table, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Oh, j'ai un frisson. Frisson de taré. Où est-ce que vous êtes dans la pièce là par rapport à moi? Est-ce que vous pourriez vous rapprocher. Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher de Philippe, qui est en face de moi, pour qu'il puisse vous ressentir? Comme si vous vouliez le toucher. Oui, allez-y. Merci. Donc vous êtes deux. Essayez de toucher nos appareils, s'il vous plaît. On est assez insistant. Et désolé. Oh la vache. Comment est-ce que vous vous appelez? Pas compris. Est-ce que vous savez comment on s'appelle? On s'est présenté tout à l'heure. Oui. Comment? Les prénoms, oui. Allez-y, dites nos noms.
Philippe, oui, c'est ça. Et moi? C'est pas, c'est Mike. Mais vous avez retenu Philippe quand même. Très bien. Vous arriveriez à jouer du piano? Non? C'est trop dur? C'est trop dur, d'accord. Le piano, c'est trop dur. Alors, je vous fais une petite voix off assez rapide concernant cette séquence, les séances radio. Il est vrai qu'on utilise très souvent la même ou la SPB7, si je ne me trompe pas, pendant nos séances. Vous arriveriez à jouer du piano? Non? C'est trop dur? C'est trop dur, d'accord. Le piano, c'est trop dur. La mienne tourne extrêmement rapidement, ce qui peut être très compliqué pour comprendre et entendre les voix qui peuvent en ressortir. Pour la saison 3, on a investi dans une SPB11. On fera des tests sous forme de vlog, étant donné qu'on n'a pas encore les 1000 abonnés, on ne pourra pas encore faire de live. Et tous les épisodes de la saison 3 sont déjà tournés. Donc du coup, on fera des petits vlogs comparatifs pour comparer ce que dit la mienne, la 7 et la 11. On essaiera de faire tourner les 3 à un moment donné, en même temps, pour voir si les voix correspondent au même endroit. Bref, voilà, on avance. Vous voyez, j'ai des appareils. Maintenant qu'on a fait connaissance, allez-y, suis-moi. Vous voyez, si vous vous rapprochez, on a des petits appareils ici qui peuvent vous détecter. Et donc, si vous vous rapprochez, hop, ils vont s'illuminer. Est-ce que vous pourriez vous asseoir devant le piano? Je ne sais pas si vous voyez la chaise. Non. D'accord. Vous pourriez vous asseoir à côté de Philippe et parler dans son micro? Vous voyez, je relance du piano. C'était un pur hasard, hein. Mais c'est marrant. J'ai capté qu'une station et c'est du rêve. Est-ce que vous pourriez vous asseoir à côté de Philippe? Vous voyez, il y a une place à côté de lui. Vous asseoir à côté de lui et essayer de parler dans la main. Il a un micro qui enregistre. Et si vous voulez laisser un message, quelque chose, il va tout de suite l'entendre. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît? Tu vois un truc? T'as entendu? Non, j'ai cru. Oui. Je sais pas pourquoi. Bon. Alors, à tout moment, vous pouvez lui parler. Il pourra sûrement vous entendre.
Est-ce que vous habitiez ici? Oui? D'accord. Combien de temps avez-vous vécu ici? Tu peux mettre plus fort? Plus fort. Tu peux plus fort. Voilà. Je relance. Alors on l'a calé un petit peu, enfin moi j'ai calé le vélo, le petit tricycle là, vous voyez, je l'ai mis un petit peu en équilibre. Il tient, mais il faudrait pas grand-chose pour qu'il tombe. Alors évidemment, quand on marche, on essaie de faire attention. Mais il faudrait pas grand-chose pour qu'il avance, ou pour qu'il roule en tout cas. Est-ce qu'avant de partir, est-ce qu'il vous serait possible de nous faire juste un signe? Car on est venu pour ça. Juste pour se rappeler de vous ici. Est-ce que vous pourriez faire bouger le vélo, le petit tricycle là? C'est-à-dire vous mettre à plusieurs, je ne sais pas comment vous pouvez faire, mais le faire se déplacer, que je puisse le voir bouger devant moi. Donc, je ne vous demande pas d'apparaître, mais de faire bouger ce vélo. Est-ce que vous êtes en haut? C'est vous qu'on a entendu? C'est vous qui avez crié? Non, c'est pas possible que ça crie aussi fort. Il y a eu une porte, un couinement. Et après, il y a eu des voix. C'était fort, quand même. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Si vous voulez partir d'ici? Faites un bruit. D'accord. Ouais, c'est le même moteur. D'accord. Ouais. Non, 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 ça touche là. Alors donc ça réagit sur le fait qu'ils ont besoin d'aide. Ouais, ça touche là. Je m'avance pas trop. C'est chaud là.
D'accord. D'accord. Ouais, ici même terre. D'accord. Regarde le nourrisson touche à toucher. Ok. C'est le poids, c'est le poids, ça c'est quoi? Non. Non, non, c'est le ça touche là. Alors donc ça réagit sur le fait qu'ils ont besoin d'aide. Une ours aussi à côté. Wow. Wow, Phil. Ouais. Wow. Des frissons. Wow. C'est chaud là. D'accord. Pour moi, il y a le nounours et le petit appareil à côté.